Alors, deuxième situation là, après le petit échauffement, on va être sur travail de 1 contre 1 poursuite. Retrouver le travail de tir en course qu'on vient de faire. On l'a fait sous forme décontextualisée, Amine. Oui. On l'a fait sous forme décontextualisée là, avec la petite échelle. Là, c'est le retrouver avec de la défense qui arrive derrière et qui essaye de prendre le ballon. Vas-y, Roman, arrivez avec de la vitesse, demandez le ballon. Le petit saut ici pour partir très vite. Vous avez le choix de partir soit à droite, soit à gauche. Le défenseur, il n'a pas le droit de rentrer dans le demi-cercle. Donc les petits plots bleus ici, Antonin, c'est la zone interdite pour le défenseur. Ok ? Pour l'attaquant aussi, il passe à la... bah lui il passe au plus court, là juste à droite du plot. Ok ? On fait un petit exemple, Maxence et Roman. On arrive avec de la vitesse, Roman. Maxence, on prépare ses mains. Le petit saut, hop, on accélère, très bien. Ça va, Maxence. On enchaîne et on change de cône. Hop, le petit saut. On va pas toujours à droite pour travailler des deux côtés. Ça manque de vitesse, Antonin. Maël, il te rattrape là. Et c'est intéressant, Mehdi, le petit changement de main. Tire en course derrière. Prépare tes mains, Antoine. Yes, allez, 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 allez.